Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch God Mode sur la map Moer Der Totem. Alors pour réaliser ce glitch vous aurez besoin de l'atout pierre tombale, un cocktail molotov, un hélicoptère de soutien et de savoir fabriquer le robot Klaus dans la map Moer Der Totem. Alors si vous ne savez pas comment fabriquer Klaus dans cette map, n'hésitez pas à regarder en description et en commentaire épinglé, il y a une playlist avec tous les tutos de la map. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors quand vous avez fabriqué Klaus et que vous avez l'atout pierre tombale plus le cocktail molotov et l'hélicoptère, ce que vous faites c'est que vous allez appeler le robot Klaus. Donc dès que vous avez appelé Klaus, vous vous rendez à la rue de Berlin Est, juste devant un camion. Et là avec la télécommande de Klaus, vous allez lui indiquer de monter sur le camion. Donc il faut vraiment bien viser où je vise. Donc vous mettez le rond vert de Klaus au-dessus de l'avant de la camionnette. Donc sur le gameplay, si vous êtes attentif, vous pouvez voir carrément le demi-cercle où il se trouve exactement. Donc vous essayez de le mettre exactement là où je le mets dans le gameplay. Ensuite, vous lui donnez l'ordre d'aller là-bas, ce qui va faire en sorte que vous allez perdre la télécommande de Klaus. C'est totalement normal. Et là, ce que vous allez faire, c'est d'aller en bas de la tour de défense qui est dans le couloir de la mort, à côté du pack-a-punch. Et quand vous êtes à cet emplacement-là, vous allez devoir lancer votre cocktail Molotov par terre pour vous suicider. Mais faites très attention parce qu'à ce moment-là, il va falloir être très précis parce qu'il y a une question de timing. Vous allez devoir activer votre hélicoptère de combat quand il vous reste exactement 21 points de vie. Donc il faut vraiment anticiper qu'à 37 points de vie, vous soyez prêt à appuyer sur flèche de droite pour activer votre hélicoptère pour qu'à 21 HP, vous appelez l'hélicoptère. Et là, si vous avez bien réussi, ça va faire que vous allez voir un écran noir pendant une seconde et ensuite vous allez retourner sur votre écran où vous êtes mort. Si vous voyez l'écran noir, ça veut dire que vous avez réussi. Si vous ne voyez pas l'écran noir, ça veut dire que vous avez raté. Donc dès que vous avez réussi, vous maintenez triangle pour activer votre atout pierre tombale. C'est très important, il faut le faire avant que Klaus vienne vous réanimer, sinon vous serez bloqué. Donc dès que vous êtes en mode trépas, donc en mode fantôme, là vous allez être invincible. Klaus va vous réanimer en illimité et en fait il n'arrivera jamais à vous réanimer. Alors je ne sais pas pourquoi ni comment ça se passe, mais en tous les cas, Klaus ne sait pas vous réanimer quand vous êtes à cet emplacement-là. Donc ça veut dire que vous allez rester en mode trépas et vous allez être invincible pendant toute la partie. Si vous voulez enlever votre invincibilité, il suffira juste de vous réanimer vous-même ou alors vous utilisez une tyrolienne. Ce qui enlèvera votre invincibilité ou alors vous réanimera. Alors ce qu'il faut savoir avec ce glitch, c'est que vous ne pouvez pas ramasser de munitions. Donc vous ne pouvez rien ramasser qui tombe au sol. Vous ne pouvez pas récupérer des munitions, vous ne pouvez pas améliorer vos armes. Vous ne pouvez pas acheter d'armes, vous ne pouvez pas acheter d'atouts. Vous ne pouvez interagir avec rien du tout. La seule chose que vous pouvez interagir avec, c'est les bonus. Donc par exemple les bombes nuques ou alors les munitions max. Donc c'est la seule façon que vous allez pouvoir récupérer des munitions. Donc bien évidemment, si vous voulez faire ce glitch, il faudra au préalable, avant d'être en God Mode, acheter tout ce que vous avez besoin et améliorer tout ce que vous avez besoin pour faire des manches ou pour débloquer des camouflages ou tout ce que vous voulez. Donc stuffez-vous bien avant de faire ce glitch parce qu'après vous ne pourrez plus. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec et ciao, peace.